c'est ma télé. Elle est toute brisée. Elle est toute brisée. OK, OK, ben, si vous me laissez entrer, on va regarder ça. Regarde. Jour 238 de cette guerre qui jusqu'à... Regarde. Ouais, mais écoutez, là, c'est une vieille TV, là, c'est normal, c'est un peu flou. Non. Regarde. En 2020 et 2005, l'incidence des cancers s'est accrue de 35% pour les hommes et de 43% pour les femmes. La crise économique mondiale frappe à tous les niveaux. Les PME sont particulièrement touchées par cette décroissance qui a pris le secteur. La famine en Éthiopie touche des millions d'enfants, entraînant chez plusieurs la malnutrition grave ou même la mort. L'Éthiopie a une longue histoire. Émilie aurait été aperçue pour la dernière fois près du parc Wilbrod, à l'angle des rues de l'Ouest. Peux-tu me réparer ma TV? Des affiches ont été distribuées un peu partout. Écoutez, c'est pas le genre d'affaires qu'on peut arranger, ça. Il n'y a pas de formation qui Peux-tu aller parler? Yeah. Bon, regardez si c'est pas un problème technique, là. Peut-être le câblage. Ça va très mal. Ça, ce qui sera pas aux Olympiques cette année, Brandon Fleury va devoir faire une croix sur son rêve olympique. Regardez la situation. Deuxième roue, donc, de frapper sa paire jaune en anglais. Ouais, ben, comme je pensais, c'est pas le câblage, là. Tout est beau, oui, c'est... Ben, je peux toujours aller vérifier dehors aussi, là. Nous avons des images en direct. On voit ici ce que l'on croit être le repère d'Abdou Al-Mahoud, le chef de la rébellion sudiste. Alors que, attendez, on m'informe qu'un homme, oui, on le voit à l'écran, un homme inconnu semble faire son chemin à travers les balles. Il se protège et il entre à l'intérieur du repère. Il semble discuter avec quelqu'un et il est prêt à ressortir de l'édifice. Il semble être en compagnie d'Abdou Al-Mahoud qui agite un drapeau blanc. Mesdames et messieurs, c'est absolument incroyable. Le chef des sudistes offrirait sa reddition, il se rendrait. C'est un conflit quasi centenaire qui serait réglé. Nous assistons à un jour véritablement historique. Maintenant, l'information qui demeure, c'est de connaître l'identité de cet homme. Aujourd'hui, à la Bourse mondiale, le Nasdaq a affiché une hausse saisissante de 2400 points et qui semble avoir redémarré l'économie mondiale. Aucun analyste n'est en mesure d'expliquer cette hausse. Par ailleurs, la devise d'Éthiopie a également fait un gain historique de 1200%, ce qui a propulsé le pays le plus pauvre au rang des plus riches en un après-midi. On aurait peut-être trouvé remède. On soupçonne cet individu d'être à l'origine de cette découverte extraordinaire. Complètement raté pour le bonheur. Il reçoit l'aide d'un balayeur qui s'est joué. Il a perdu, c'est réussi! La maison nous a aidé. Je suis tombé dans un trou dans la forêt, puis il y a un monsieur qui m'a sorti. Il est où ce monsieur?
messieurs, nous apprenons à l'instant qu'un tsunami a frappé la côte ouest du Japon. T'as pas fini. La secousse sismique d'une magnitude de 9,3 sur l'échelle de Richter s'est produite à 800 km.